risques l'île et te retrouver seul. Ma chérie. Et toi, ce n'est pas un clash, c'est un conseil de sœur. Je t'aime beaucoup. La baronne suisse s'exprime sur les duels entre le docteur Marin Nvuto et l'étoile caribienne et des balles perdues pour Amer Kamer, Lolo Fodia, Aline Zobobem et la veuve joyeuse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais parler à ma sœur étoile caribienne aujourd'hui. Cette vidéo, ce n'est pas un clash. C'est un conseil de grande sœur. Si tu veux, tu prends le conseil là. Tu mets à côté de toi. Si tu veux, tu prends ça, tu jettes à la poubelle. Ce que je vais te dire. Quand on porte les œufs sur la tête, on ne cherche pas le problème. Je vais recommencer. Quand on vend les œufs, on les a sur la tête, on ne cherche pas le problème. Je recommence une troisième fois pour que ce soit clair. Si tu as tes œufs sur la tête, tu es en train d'aller vendre, ne cherche pas le problème. Parce que quand on peut te bousculer, tous les œufs se versent. Qui perd? C'est toi. Maman, je vais te parler aujourd'hui là comme une grande sœur. Avec toute l'expérience que j'ai là. Je voulais te dire que l'affaire que tu es parti chercher, Marlène Mvoutoula, laisse. Laisse comme ça. Moi, je te dis ça. Je te donne des conseils comme une soeur. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Maman, ce n'est pas la bagarre du Ndiapa, de Facebook. La mère, là, est très, très, très résistante. Deuxième chose, ce sont les politiciens. Les politiciens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Quand les politiciens, tu t'attaques aux politiciens, tu risques de rester là. Tu viens d'ouvrir un magasin, ma fille, ma soeur. Ce n'est plus la vente virtuelle. Quand tu as la cause un magasin, tu dois payer les impôts, tu dois payer le loyer, tu dois payer le courant, tu dois payer les employés. Maman, moi j'ai eu les structures ici en Suisse. Quand tu étais sur Facebook, tu vends haut, il n'y a pas de problème. Tu ne vends pas haut, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Maintenant là, où tu as mis le loyer là, tu vends haut, tu ne vends pas, tu dois payer le courant, tu dois payer le loyer, tu dois payer les employés, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer les impôts. Ton affaire que tu as engagée avec Marlène Mvoutoula, enlève ton pied dedans. Moi, je vais te parler comme une grande soeur. Ce n'est pas un clash, ce sont les conseils. La politique est très, 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 très violente. Voilà que quand tu as déjà un commerce, ne fais pas les problèmes. Les politiciens sont très, 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 très dangereux. Marlène Mvoutoula n'a rien à perdre. Toi, tu as beaucoup à perdre. Tu as beaucoup à perdre. Si vous avez peur d'un Mvoutoula, allez loin. Toi, tu es là, avec ton faux profil. Tu es assise chez toi. C'est toi qui viens qu'on insulte, ce n'est pas toi. Si tu as aussi le cœur, mets ta caméra avec ton profil, tu commences à l'insulter. Ce n'est pas ta vie qu'on va détailler dehors. Moi, j'ai découvert, quand elle est arrivée en Europe, ses papiers, c'est ceci, ce n'est pas joli. Personne n'a envie d'être déposé sur les réseaux sociaux. Faites attention, je ne veux pas ça d'elle. Je ne veux pas ça d'elle. Moi, je me rappelle, ici, là, toi, ma soeur et toi, Kribel, tu avais commencé à aller t'attaquer aux gars de la brigade anti-Sardina, là. Tu te rappelles très bien. Tu es parti chercher les problèmes là-bas. Les gars, là, ne tombent pas loupés. Tu es venu, tu as dit, oh, excusez-moi, oh, je ne suis plus dans les histoires de politique, oh. Je ne veux plus rien savoir, oh, que chacun se batte, oh, les affaires des Camerounais, oh, je ne veux plus, je reste dans mon diapa. Je t'ai dit, bien. Et je te dis toujours inbox, que tu as trop d'émotions. Et c'est ça qui va t'en. Marlène Mvoutou a ses problèmes là-bas. Si elle lave la première dame, ça te concerne en quoi? Ça, c'est leur truc. Ça te concerne en les histoires de politique. Dès que tu vois la politique, passe ta route. Ou si tu veux avoir la force, parce que les gars là, ils sont prêts à te piéger, même et te filmer, mettre sur Facebook. Ils n'ont pas de sentiments. C'est un chemin très, très, très glissant. On ne blague pas là-bas. L'affaire que tu vas engager là, moi j'ai vu Marlène Mvoutou. Cet après-midi, j'ai suivi son live. Où elle disait qu'elle va aller te porter plainte. Elle va aller là-bas à la gendarmerie dans ton truc. Elle va aller. Imagine-toi qu'elle vient, elle se retrouve devant chez toi, elle commence à crier. Ton mari, les blancs n'aiment pas le bruit. Hein. Les blancs n'aiment pas ce genre de choses. Les blancs, elle là, quand tu la vois, elle n'a plus rien à perdre. Elle a laissé au Cameroun, elle a abandonné. Une dame qui s'attaque à la première dame n'a plus peur de rien. Une dame qui s'attaque, elle n'a plus peur de rien. Donc, je te conseille d'enlever ton pied dans la fessie. Laisse Marlène Mvoutou régler ses problèmes avec la première dame et tout ça. Elles se connaissent là-bas, c'est entre elles. Maintenant, si tu veux entrer dans l'affaire, il faut être prêt pour les retours. Moi, je te dis ça. Il faut être très prêt pour les retours. C'est toi qui viens d'ouvrir ta petite entreprise. Tu vends tes choses. Maman, concentre-toi pour développer ta boutique. Concentre-toi pour faire ton business. Parce que là où c'est là, imagine-toi que Marlène Mvoutou débarque chez toi là-bas. Commence les vidéos, les trucs. Aille te porter plainte. Commence à te déranger. Maman, ce n'est pas la petite bagarre de Facebook qu'on fait entre nous, le Ndiapapla. Les politiciens ont le cœur. Tu te rappelles de Billy Akene. Il est parti même parler devant chez Maurice Kamtoué. Les gars là, ils ont le cœur. Quand tu vois Ahmed Kamel fuir la politique pour venir se cacher dans le Congo, ça le laisse. Quand tu vois Ahmed Kamel, ton ami, qui disait que les institutions, il va défendre jusqu'à. Il est parti une seule fois à Genève. Il n'est pas parti deux fois. Les policiers l'ont fait quoi? Sonner. Tu as compris avec quoi? Il dit que celui qui disait qu'il
défend les institutions, que les institutions, c'est lui. Il y avait quelqu'un qui défendait le Cameroun plus qu'Amer Kamer. Quand ça cuit sur lui, même il est parti au Cameroun pour dire qu'il va élever les poulets. Les poulets sont où? Les poulets sont tous où? Le voici, c'est en train de se plaindre, non? Tu n'as même vu la vidéo, si Étoile. Laisse les problèmes, ma soeur. Voici ton frère ici, là. En train d'élever les poulets. Il pleure. Après plus de 20 ans en Beng, il est parti, il est arrivé en Beng. Il a voyagé comme le vol comme toi. Il a bossé. Il est passé au Niger, Libye, on a cassé ses bouboules là-bas, il a continué au Maroc, on a cassé ses bouboules, il a pris la mer, il a lutté avec les requins, il s'est battu. Fiamla, il a atterri en France. Quelle femme va sortir avec lui? Noir comme il est là. Même au maquillage, je ne le donne pas. Noir comme il est là. Je t'explique pourquoi tu comprends. Non, et toi, Pibien. Tu es ma petite, je dois te parler. Noir comme il est là. Qui devait épouser le gars-ci? Qui devait l'épouser? Hein? Quand toi-même tu vois un homme comme ça, là, qui va l'épouser? Toi-même, quand tu vois, ça c'est l'époque, c'est lui là-bas, à l'époque. Même, il a la veste bleue, mais on ne voit rien, on ne voit que la tête. On dirait un ancien maquillage. Regarde, qui devait l'épouser? Il a fini. Il a fait tous les petits villages de France. C'est ce que t'explique, non? Pourquoi tu tiens bien ton mari? Maman, on va après, parler à Malène, que Malène, laisse, non, maman. Il a fait le tout, le voici, amen. Il t'a dit que quand il a fait le beau le soleil avait beau laver sa tête. Le soleil l'avait frappé sur la roue. Paf! Le soleil a fait le tuer. Regarde. Mais tu vois, il a fini tout ça. Il a fait tous les petits villages d'à côté. Tu comprends, non? Mais ça n'a pas donné. Maman, il est parti ramasser une femme de 130 kilos. Il dit que, Moraouaou, sa tête, même si c'est comment, mieux me marier d'abord. Tu vois ça pendant 2 ans, tu arrives en Ben. Tu vas changer les femmes. Paf! Quand vous voyez le gars énervé avec les gars, c'est à cause de tout ça, non? La souffrance, hey! Il a fini de poser la couleur, mais le voici en veste. Il est là, il c'était chaud. Hein? Il est comme un maquillage. Le désert de Libye, il n'a pas raté. Il finit, il arrive. Il fait le tour. Il salue les gars. Les gars, pardon. Hey, pardon, tu le sais, man. On va pas ça. Hey, les gars, les gars de Paris, avec les loups boutettes. Hey! On l'a mis loin. Il a commencé à aller se promener dans les mariages. Tu vois les mariages des villages là. Maman là-bas, il dit qu'il fait la DJ. Il ne connaissait pas quoi les institutions. Hein? Il fait la DJ. Et toi, je t'explique pourquoi tu quittes dans les problèmes là. Il fait la DJ. Il finit de faire DJ. Tu as compris de quoi? Il part ramasser une femme de 130 kilos. On peut souffrir comme. Parce que tous les gars de Cameroun, ils avaient barré, non? Quand ils voient la poilue là se vanter que c'est mon gars est brave. Il a un message. Regarde, tu sais, la souffrance a fait jusqu'à le maquillage. Le gars a mis le niam jusqu'à les dents, on s'est commencé à sauter. Il ne savait pas que le maquillage a enlevé les dents. Moi, il voit les gars qui ont mis les niam sans. Tout le monde a ses dents. Il dit, qui donne les produits aux gars-ci? Enfermer la personne qui donne le maquillage au gaz. Je suis désolé. Non, c'est pas normal. La personne qui a donné les produits à ce gars doit être arrêtée. C'est mis en danger de la peau de quelqu'un. On doit faire ça. Tu prends le temps de tout un yandon. Le gars parle de ici. De ici là. Ici là. À ici. Mais on peut faire ça. Même Messan n'a pas essayé ça. Même Messan. Messan, que vous, maman, c'est qu'il dort dans le lait. Messan qui dort dans le lait. Il y avait des balles de lui, non? Ouais, Seigneur, ma bouche aussi. Ah, la bouche qui pisse. Ouais, Seigneur. Mais ça, même qu'on a vu la fleur, ça n'a pas donné ça. Le message, même le maquillage, mais ça ne dépasse pas. Donc, il a fini ça. Et toi, mais explique pourquoi tu comprends, non? Il a dit qu'il parlait de défendre les institutions. Donc, il a fini. On va l'écouter. Il dit, la femme qui s'est mariée. Je t'explique pourquoi tu quittes derrière le problème des politiciens. Donc, voici ici. Et toi, mais quand il a fini de faire le tour, il a fait le mariage, il est rentré au Cameroun. Hein. Il a fait le mariage. 130 kilos. Comment? Eh, mais il a 130 kilos tous les jours, c'est facile. C'est pas facile, hein? Comment tu fais pour tourner sur le lit? C'est dur, hein? Le lit, d'abord il faut un grand lit solide et propre. Bon, maintenant, le vieux, un village comme ça, il sait tout mal. Bon, maintenant, il faut tourner l'engard de 130 kilos. Tu portes la douleur. Il finit. Combien il a dépassé, il a fait tous les coups bas. Il décide que, hein, lui, il défend les institutions. Concentre-toi, ma soeur, sur ton business, tu veux le commencer. Occupe, laisse la partie là. Et ton ami que tu combats là, il a fait ça plus que ça, il a fui, non? Le voici ici, en train de dire que, hein, on va voir ce qu'on va voir à Genève. Il est parti là-bas pour défendre Parfolet. Ici, à Genève, chez nous. Donc voici. Je viens marcher avec la machette dans le sac. Oui. Celui qui tente de poser un désordre avant que la police arrive. Ah! Donc, et toi, Kédev, voilà quelqu'un qui faisait la politique. Il a même bifurqué dans l'élevage, ça l'a dépassé. Donc, ma soeur, le conseil que je vais te donner, laisse l'affaire de politique là et tout ça. Les malins ne goûtent tout ça. Laisse ça. Enlève ces choses sur ta page, tu te concentres sur ton commerce, tu prends l'énergie pour toi, tes enfants et tout. Tu vas te retrouver dans les problèmes pour rien. Et je veux dire aussi à ma soeur Malène Mboutou, ma soeur, pardon, à cause de Dieu, laisse. J'ai entendu que tu vas lui porter plainte, tu vas faire que sa nationalité,
J'espère qu'elle va m'écouter après cette vidéo. Enlever les captures de ton enfant et tout, et sortir de ce problème la tête haute. Ma soeur Marlène, laisse. 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 C'est une petite soeur, enfin. Elle a 40 ans, je ne sais pas quel âge tu as, ma soeur. Laisse. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on fume le calmer. Vous savez, et toi, elle est très, très woro woro, mais elle n'est pas méchante. Il faut dire la vérité. Et je lui dis toujours que tu es très émotif. Tu te mets tout dans des fausses situations. La fée Bob, là, tu es parti chercher les problèmes à Jumento. Si Jumento s'assoit sur ta vie ici, là, tu vas faire comment? Te voici qui vient chercher les problèmes à Marlène. Marlène, tu n'as pas parlé de toi. Tu t'es mêlé d'un problème qui ne te concerne pas. Te voici, on a laissé tout le monde là, on s'est agrippé chez toi. Il y a les gens qui ont la peau du maquereau, que tout le monde va chercher les problèmes. Tout le monde va passer, on s'agrippe seulement sur toi. Maman, et toi, peut-être que c'est ta part de tout. Moi, je te conseille de quitter dans l'affaire. Il y a les gens qui ont ce qu'on appelle la peau du maquereau. Ça veut dire que tout le monde va aller bagarrer, on va laisser. Sur un faible, on va laisser. Maman, toi, tu go tcham. C'est sur toi qu'on cale. On dit qu'aujourd'hui, la moula ou tu t'as lavé la personne. Donc, moi, je pense que Nadine Chou, Longue Longue, c'est qui? Il dit quoi? Si tu parles encore de Longue Longue, si je te bloque, va parler ça sur sa page. Il est qui? Il est qui? Longue Longue n'est rien. C'est un aigri. Quand il fallait lui faire les papiers, tu étais là. Quand il fallait bagarrer pour lui, tu étais là. Vous êtes toujours là, sorti vos larges bouches là. Je vous ai dit que qui continue à parler? Je vais le mettre nu ici sur Facebook, vous n'allez pas comprendre. Qui continue à ouvrir sa bouche? Qui continue? J'avertis toujours. Et après, je ne veux pas de pleurs après. C'est eux qui disent qu'ils défendent le peuple. Donc, si vous voulez faire, quitter derrière moi. Je dis toujours ça. Donc, je vous dis juste ça. Donc, quittez derrière moi. C'est ce que j'explique. Voilà. Donc, je te disais donc que quand tu vas voir ma soeur, tu es toujours dans des situations très compliquées. Quitte dans l'affaire là. La dernière fois, tu étais dans l'affaire avec la brigade anti-sardinale. Les gars là, dans moi ici là. En quittant, tu n'entendais plus. Voilà ta vie qui est exposée. 36 pages. Non, c'est pas joli. Si commence à appeler là-bas et te nuit, appeler ton mari, commencer, ça va? Moi, je te dis une chose, hein. Lolo, ce n'est pas un clash, c'est juste pour dire quelque chose. Moi, je suis sûr que Lolo s'est séparé avec Papa Fondi à cause de Facebook. Je suis sûr que ces gens-là pouvaient être encore ensemble aujourd'hui. Quand le bandit de Kamoa la panthère est allé atterrir là-bas le matin chez elle, tu te rappelles la fin, non? Et toi, Kibem. Le chonk de Kamoa la panthère qui dit qu'il aime trop les institutions là, est allé atterrir chez la fille de Puyi le matin. Ça crée ce que ça crée là. Les politiciens là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Elle s'est retrouvée dans des trucs appelés. Oh, le voilà, et ça crée tout un problème. Et le monsieur peut-être s'est senti humilié. Peut-être qu'il y avait là des problèmes dans le couple, ça accentue. Si vous avez un copain que tout le temps on l'appelle vraiment, ce n'est pas bien. À un moment, il va craquer et partir. Et partir. Donc, il faut que vous appreniez à comprendre. Donc, pour moi, je pense que c'est Facebook qui a séparé le Fondia et son copain. Je suis sûr. En fait, même si ce n'est pas ça, il y avait des problèmes, ça a contribué. Donc, l'affaire que tu engages là, si les gars là se mettent derrière toi, tu risques l'île et te retrouver seul. Ma chérie. Et toi, ce n'est pas un clash, c'est un conseil de soeur. Je t'aime beaucoup. Tu es une fille, tu n'es pas méchante. Tu fais ton buzz là. Mais il y a des problèmes que parfois il ne faut pas entrer dedans. Moi, je te conseille d'enlever tout ce que tu as parlé de Marlène Mvoutou. Tu enlèves ton pied là. Parce qu'elle, elle t'a dit qu'elle a le temps. Elle est là le temps, elle est procédurière. C'est l'indateur, elle peut se battre même un an. Elle a l'énergie. Maman, c'est toi qui viens d'ouvrir ton commerce. Laisse ça. Reste dans ton diapa. Reste dans ton diapa. Voilà, mec, ta mère qui t'a dérangé. Prends l'énergie sur lui. Non. Il sert à quoi? Il ne sert à rien. Prends l'énergie. La fin de Bujoubi est venue ici. Tu as commencé à insulter les Camerounais. Je suis venu te dire que arrête. Parce que je veux aussi pouvoir te dire ça en face. Tu as répondu. Mais j'entends ta réponse. Je ne t'ai pas répondu. Je t'ai dit que Bruno, je t'ai expliqué pourquoi on ne doit pas se mobiliser pour Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, depuis qu'il est là, tu as vu qui venait là. Tu as vu qui? S'il s'entend bien avec les gens qui l'ont mis là-bas, comment est-ce qu'il va sortir? Il ne s'entend pas bien, ils vont le mettre au frais. Parce que ce sont ses amis. Je t'ai dit, enlève ton pied là-bas. Enlève ton pied là-bas. Donc, moi, je te conseille de laisser comme ça. Tu enlèves les trucs de Malène. Tu la laisses se battre. Maman. Une dame qui parle de la première dame. Elle a peur de quoi? Tu penses que toi elle va t'écraser? Te voilà en quelques minutes. Elle a dit, moi, elle ne connaissait pas ton nom, ta société, tout est dehors. Bon, imagine-toi que maintenant, elle porte ton mari, elle est dehors, tes enfants. Les politiciens, même si c'est pas elle, les faux profils vont se mêler, tout ça. C'est toi qui viens d'avoir un petit magasin. Prends le temps pour t'intéresser à ça. Reste dans mon diapap, non? Reste dans mon diapap, reste dans notre diapap là. Il y a quoi? On ne peut pas se mêler de tout. Moi, je te conseille ça. Hein. Moi, je t'ai montré un mec ici là. Il a dit, il est parti pour défendre les institutions. Ça a dépassé. Hein. C'est pour ça qu'il est accroché avec nous ici là. C'est pour ça qu'il est là. Il ne sert à rien. Quand tu vois un mec à mère, la politique l'a dépassé. Il est dans la bagarre avec les filles partout. Il va faire quoi? Il dit que quand tu vois un mec à mère, il devrait être. Tu devrais voir que. C'est quelque chose. C'est toi qui fais le commerce. Tu ne vas pas te mettre autant de monde à dos. Donc je te conseille comme une soeur. Maman, comme ça là, laisse comme ça. Maintenant, si tu veux m'insulter, au moins c'était de mes conseils.
Je voulais te donner ça devant le monde entier. Laisse l'émotion. Facebook, il n'y a pas d'émotion. Quand on a les yeux sur la tête, on ne cherche pas les problèmes. C'est toi qui es dans le magasin. C'est toi qui dois payer les impôts. C'est toi. Si tout sort. Parce que même quand on a le magasin, on fait les waro. Hein, maman? Les gars là vont te mettre la loupe derrière. Ils vont te mettre le fisc derrière. Ils vont te nuire. Si ils commencent à téléphoner ton mari, les gens commencent à se mêler de ta vie. J'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois que j'entendais le nom de ton mari en direct. C'est pas joli. De dire où tu t'es marié, tes papiers sont comme ci, que ceci sont cela. Moi, ça m'a fait mal. Moi, je te taquine ici, mais je ne veux pas que ta vie soit versée sur les réseaux sociaux. C'est pas joli. Et les politiciens n'ont pas de limites. S'ils ont même moyen, le jour que tu pisses quelque part, ils vont te filmer et te déposer. Et puis, il n'y aura rien. Donc, maman, le conseil que je te donne, il te dit que regardez bien notre soeur. Lolo, ce n'est pas un clash, non. D'abord, tu me clashes tous les jours, il y a quoi? Lolo, là, son mariage est fini à cause de Facebook. À cause de Facebook. Il y avait déjà les problèmes. Mais quand le bandit de Cameroun est parti derrière elle, on connaît le résultat. Il est parti déranger le couple, le monsieur de qui dormait. Il vient là le matin déranger. Il part, il s'assoit, il boit le champagne, il gâte le couple. Vous croyez qu'un homme qui a tous ces mimbans, il ne peut pas avoir honte? Ça fait honte. Donc, c'est ça. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Au moins, je t'aurais dit. Ça part déjà très loin. Laisse la fesse. Enlève ton pied dans la fesse. Laisse Malène vous se battre avec la première dame. Ça, c'est. Ils vont s'arranger là-bas. Tu n'as pas vu que la femme a l'énergie. Maman, chacun qui vient, elle porte comme un sac, elle dépose par terre. Elle a l'énergie, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça sur Facebook. Maman, toi, tu veux défendre. Maman, chante que quoi? Maman, chante peut payer tout le monde pour défendre. Attends, et toi qui viens, je vais finir par là. Ma soeur, enlève ton pied dans l'affaire de Malène et Boutou. Enlève vite ton pied, tu laisses les gens qui veulent se mêler là, qui se mêlent. Voilà, je te dis, hein, je t'ai pas connu, je t'ai pas clashé. Bon, Lolo, j'ai montré la vidéo aussi, mais c'était. Ce n'est pas pour toi, hein, maman. C'était pour voir, parce que tu vois ces gens de tout, c'est ça. C'est ça. C'est ça que. Nous aider à réaliser ce projet-là. Oui. Je suis une passionnée de la mode. Moi aussi. Ah, il y a ça. Une vente de vêtements en ligne où je peux habiller les femmes. Bravo. Donc voilà, comme je vous ai dit, je souhaite ouvrir un petit restaurant africain à Paris. Donc, écoutez, elle sera vraiment la bienvenue de mon côté. Donc, voilà. Je vis à Reims, à 15 000 de Paris. Blogueuse camerounaise. Voilà. Je suis mère de deux filles métisses. Donc, ils sont. Ma père, c'est celle qui a créé le désordre. C'est la vidéo qui nous a fait chasser. Au quotidien, la vérité. C'est ça. Je vais surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Voici ce qui a créé le désordre au Cameroun. Pendant la canne. Parce que c'est ma catégorie. Donc, une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec eux. On peut la bordelerie a traversé les frontières jusqu'à donner son numéro. Une bordée. Tu as fini de filer les Suisses ici pour aller border et déranger les autorités au Cameroun. Ça, c'est quelle façon de border ça? On t'a déjà dit d'aller vendre au Cameroun. Tu pars encore pour border. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Tu ne connais pas vendre le pays. On a comment les Ivoiriens ont vendu le pays. On t'a pris pour aller vendre au Cameroun. Vendre l'image du Cameroun. Mon numéro, c'est le 006-67-32. Vraiment, les autorités qui le savent que vraiment, je les adore. Je vais tester ça avec eux pour qu'ils soient sûrs que le roi Bardet marche. On peut faire ça. La Baudelaire a des limites, ma chérie. Quand une intellectuelle qui ne connaît pas vendre le pays. Une intellectuelle qui ne connaît pas vendre le pays. Elle est là, on lui donne tout son travail. C'est tellement la jouissance, elle a fermé son cerveau. Tellement on a versé la fête là dans son cerveau, c'est coagulé comme ça là. Elle ne peut pas réfléchir. Mon numéro, je vais tester ça sur les autorités. Si on peut tester mon numéro. Regardez, c'est ça. C'est ça qui a gâté la canne. Et qui a fondé à chasser. J'ai à ma disposition le bois bandé pour quantifier la vérité. Je vais surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Je ne peux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. Et donc, c'est le numéro. Donc, une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec eux. C'est pour vous dire que vous pouvez me joindre au 99 96. Et donc, son numéro. Elle a fini ça, on l'a chassé. Donc, c'est ça. C'est pour dire que. Ma soeur et toi, Tribel, je vais finir par là. Tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Ma soeur, enlève ton pied, laisse-la faire. On a déjà commencé à t'exposer. Ça ne me plaît pas. Tu es quelqu'un de bien, que j'aime beaucoup. Je te taquine, mais je sais que tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Tu avais dit que tu enlèves ton pied sur la politique, tu vas rester dans l'Ondiapa. Reste là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez écouté dans cette vidéo Lolita la Baronne qui appelle au calme sur le duel qui oppose Dr. Malène Mvuto à l'étoile caribienne depuis une semaine. En effet, vous êtes presque tous au courant des sorties du Dr. Malène Mvuto contre la première dame et certaines personnalités du Cameroun depuis un temps.
L'étoile caribienne a décidé de prendre la défense de la première dame en nous expliquant que le docteur Marlène Mvoutou ne s'attaque pas à la première dame pour l'intérêt général des Camerounais, mais pour son intérêt personnel. L'étoile caribienne nous explique que les multiples attaques du docteur Marlène Mvoutou, c'est parce qu'elle n'a plus de privilèges à la présidence de la République depuis un temps. Docteur Marlène Mvoutou a promis les prochains jours difficiles à l'étoile caribienne et la baronne demande à l'étoile caribienne de ne plus acheter les problèmes qui ne la concernent pas et prend l'exemple sur Ahmed Kamer qui faisait la même chose et aujourd'hui il est dans le regret. La baronne n'a pas oublié de titiller Lolita, de titiller Lolo Fodja, Aline Zomobem, Ahmed Kamer et la veuve joyeuse. C'était tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la